Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo rotation hebdomadaire de la semaine et cette fois-ci, nous sommes sur la semaine du 21 au 27 mai. On commence tout de suite avec le reset de mardi soir, donc le 21 mai. On sera donc sur la cinquième et avant-dernière étape de la quête Où est Archie, qui devrait, si tout se passe bien, se dérouler sur la Cité des Rêves. On continue avec le Panthéon et on affrontera les 7e et 8e derniers boss du Panthéon, à savoir Nézarek et Riven. Alors attention, ça va piquer puisque cette fois-ci, les boss seront en plus 20 de puissance. C'est l'occasion peut-être de s'entraîner pour la sortie de la prochaine extension. On continue avec les Twitch Drops pour ce Panthéon. Ce sera l'occasion de remporter le cinquième et dernier emblème lootable en regardant l'un des 12 Content Creators, je vous en ai parlé jusqu'ici, les anglophones partenaires qui vous ont permis de remporter 5 emblèmes tout au long de la découverte de ce Panthéon sur ces dernières semaines. Et enfin, la dernière grosse information, c'est l'arrivée d'une nouvelle cinématique et peut-être, si tout se passe bien, d'une mission finale de saison. D'ailleurs, à ce sujet, si vous ne nous suivez pas encore sur Twitter, sachez que nous avons reçu un colis spécial et que nous allons l'ouvrir et découvrir ensemble ce mardi 21 mai ce qu'il contient. Ce sera en live sur notre chaîne Twitch à partir de 18h, vous avez le lien en barre d'infos. Côté rotation des activités, pour la nuit noire de la semaine prochaine du 21 au 27 mai, ce sera le berceau du mal sur la zone du miasme dans le monde trône de Savatun. Côté épreuve, les modes à l'honneur seront le mode pagaille et le maintien du mode nouveau territoire pour la playlist des 3 nouvelles maps. Le raid à l'honneur cette semaine sera le serment du disciple dans le monde trône. Côté loot, vous pourrez récupérer l'impulsion insidieuse, le fusion délivrance, le fusil à fusion linéaire cataclysmique, le glaive ruine de Lubrae, l'APM soumission, le lance-grenade tolérance et également l'impulsion exotique obligation collective. Côté donjon, ce sera le prophétie accessible depuis le mode légende pour cette semaine. Ce sera également l'occasion de récupérer le revolver le jugement, le sniper longue marche, l'auto dernier souffle, le pistolet verdict expéditif, le pompe mort subite, l'impulsion heure la plus sombre. Et concernant les loots exotiques, vous aurez le passereau exo 10 soleils et enfin la coque de spectre exo lagomorphe pour le solo. N'oubliez pas qu'il y a également l'emblème visionnaire prophétique qui peut être récupéré si vous réalisez le solo flawless. Côté mission exotique, cette fois-ci, on aura cette semaine la mission Présage, l'occasion pour vous de récupérer le fusil éclaireur récit d'un homme mort qui vous permettra de récupérer un bonus de dégâts et de vitesse de rechargement si vous enchaînez les tirs de précision. On aura également la suite de la mission exotique dernière heure, on sera donc sur la deuxième semaine avec la suite des quêtes du catalyseur, de son arme exotique l'infection parfaite ainsi que la suite de la quête du vaisseau exotique Taco Vimana. Et enfin, on finit avec les rotations des secteurs oubliés de la semaine, avec du 21 au 27, le 21, les gants qui peuvent être obtenus dans le secteur oublié de la carrière sur la ZME, le 22, c'est le torse qui peut être obtenu dans le repos de la Félie sur la Cité des Rêves, le 23, ce sera le casque dans la baie des soins noyés à la Cité des Rêves toujours, le 24, ce seront les bottes qui seront récupérables sur la cave de la lumière stellaire, toujours à la Cité des Rêves, le 25, les gants dans le secteur oublié Perdition sur Europe, le 26, vous pourrez obtenir les torses dans le bunker 15 sur Europe toujours, et enfin le 27, ce sera les casques dans le secteur de l'abysse caché, encore une fois sur Europe. On a fait le tour du reset hebdomadaire des rotations de la semaine à venir. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous retrouve très bientôt pour d'autres infos. Prenez soin de vous, bye !